Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater. Oui, mais pas riche, alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer. Et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant, elles sont au sport, vous devinez alors. Avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelque temps. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi. Et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Mais je pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors ça c'est de la bagnole. Et puis alors on est secoué là-dedans, on est caoté, hein Mimi. Chaque fois qu'il y a un trou sur la route, on le sent. On voit où ce qu'on passe. Tiens, là le moteur qui s'arrête. Attends, ça y est, c'est une panne. Je vois ce que j'ai. Oh, c'est rien. Heureusement, je connais ça. Ça y est, c'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors fatalement, tu comprends, ça encrasse les bougies du pont arrière. Ça fait remonter la dynamo dans les soupapes et ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. C'est, hein, qu'est-ce que tu dis, Pépé? Que je suis calé en mécanique? Oh, bah dis, je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre, alors... Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Ça y est, Bob, double la partie. Ah, ça, c'est de la bagnole, alors, hein. Qu'est-ce qu'il dit, Toto? Qu'est-ce que tu dis, mon petit gars? Parle plus fort, on n'entend rien avec le bruit de la carrosserie, hein. Il y a un fou qui veut nous doubler, bon, eh ben laisse-le faire. Allez, allez, passez, monsieur, regarde-moi ce fou, dis donc, hé. Il fait au moins du 30 à l'heure. Ah si, du 30. Regarde mon compteur, quoi, moi je fais du 22 et on file à plein gaz. D'ailleurs, si ça continue comme ça, hein, Mimi, on sera à Deauville dans un an. Ah, attention, mes enfants, v'là un virage. De la prudence, le bras à la portière, tout le monde. Là. Mimi, tu me fous le doigt dans l'œil, attention, là. Ah, oh, quel virage, hein, sur l'aile. Allons, bon, ça y est, c'est Toto qui est resté dans le virage avec la banquette arrière. Oh, enfin, ça fait rien, y'a rien de cassé. Eh ben, ma pépé, nous v'là seul. Profitons-en, viens qu'on s'embrasse. J'ai, hein, qu'est-ce qu'il y a? T'as les pieds qui baignent dans l'huile? Comment? Oh, y'a une fuite à la boîte à vitesse. Mais c'est rien, ma chérie, ça se fait dans toutes les bonnes voitures. T'as qu'à l'éponger avec ta houppette. Alors, Toto, bah, qu'est-ce que t'attends pour regagner le gros du bataillon? Rapplique avec ta banquette arrière, mon petit gars. Oui, c'est un incident. T'as qu'à l'attacher après le pare-brise, là, mais oui, là, avec un morceau de fil de fer. Ça y est, bon, Mimi, appuie sur le démarreur. Hop, ça y est, nous voulons partir. Ah, ça c'est de la bagnole, alors. Dans ma petite voiture, on ne met pas du sang. Y a qu'un défaut, les rousses des vis. Pour serrer les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelques fois, mais il en reste trois. Somme toute, y a un tas de gens, ils n'en ont pas autant. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. C'est le genre torpedo, c'est chouette quand il fait beau. Mais s'il tombe de la place, merci de m'avoir fait prendre des photos. Mimi, où sont ta pousse grand comme un champignon? Moi, l'eau me pousse dans le cou et dans mon pantalon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto.